C'est devenu un rendez-vous incontournable à La Roche-sur-Yon. La Bicentenaire ou Course du Printemps fêtera dimanche sa 9e édition, avec cette année encore un programme bien fourni. Des randonnées tout d'abord de 3, 7, 12, 15 et 20 km. Départ des Oudairies entre 8 et 10 heures en fonction des distances. Toutes ces randonnées sont ouvertes à la marche nordique. À partir de 10 heures, les courses pédestres prendront le relais. Les enfants ouvriront le bal avec 3 courses qui leur sont réservées. 1000 mètres, 1500 mètres et 2800 mètres en fonction des âges. Le temps fort de la matinée est prévu à 11h15 avec le départ de la Bicentenaire. Plus de 8 km 600 à parcourir au départ des Oudairies. Le tracé en partie remanié empruntera notamment les secteurs de la Bretèche et de la vallée de Lyon. L'arrivée est prévue sur le parking du parc Expo des Oudairies. Enfin, la course en fauteuil attelé s'élancera à 11h20 précise sur un tracé de 1164 mètres à parcourir autant de fois que les concurrents le souhaiteront. Les inscriptions sont possibles sur place pour chacune des courses jusqu'à 1 heure maximum avant le départ, avec obligation de fournir un certificat médical. Encadrée par plus de 250 bénévoles, la Bicentenaire attend plus de 3000 participants. Et si la pluie avait un peu gâché l'édition passée, cette année c'est un grand soleil qui est attendu sur tout le parcours. Le succès populaire devrait en être que plus grand.